Pourquoi Microsoft dispose des data centers sous la mer? En 2018, Microsoft a placé un container de plus de 12 mètres de long et de presque 3 mètres de diamètre au large des côtes écossaises à 35 mètres de profondeur. Dedans, 864 serveurs actifs stockent des données. L'objectif, répondre à la demande croissante du cloud et les avantages de cette méthode. Sous l'eau, les data centers sont moins soumis aux secousses sismiques et aux catastrophes naturelles. Ils sont principalement alimentés par l'énergie de la houle. Leur chaleur est régulée par les températures froides des fonds marins, et selon les analyses, les data centers seraient 8 fois plus fiables sous la mer.